Juste pour vous informer que ce dimanche 22 mai à partir de 17h, je serai en live pour vous faire découvrir mon nouveau setup, mon nouveau décor. Donc je compte sur vous, activez la cloche. Yeah! Et à tout le monde, ça fait le geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Oh, ça chiale très très fort les amis. Il y a eu une énorme vague de ban avant l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Et forcément, eh bien des cheaters ont été touchés et ça chiale. Ouais, j'étais cash player, ouais machin, ouais mais fallait pas cheater. Alors attention, on va y revenir parce qu'apparemment, il y aurait peut-être des personnes qui ont été ban injustement. Même si ça me paraît peu probable, on va s'expliquer justement dans cette vidéo. Juste avant cela, les amis, vous le savez, depuis hier, avec la nouvelle mise à jour Dragon Ball Legends, la 4.3.0, il y a eu pas mal de petits bugs. Hier soir, par exemple, on ne pouvait plus se connecter sur le jeu. On va avoir des cristaux de compensation. Déjà, pour le prolongement de cette maintenance, aujourd'hui, on est le samedi 21 mai. Allez dans votre boîte à cadeaux. On a reçu 150 cristaux pour le prolongement de la maintenance qui a eu lieu hier, avant la nouvelle mise à jour. Donc du coup, on prend. Moi, je vais bientôt arriver aux 21 000 cristaux, les amis. Hein. D'ailleurs, on va les avoir dans cette vidéo. Hein. On va se débrouiller, mais on va les avoir. Voilà, 20 887 cristaux. Je rappelle que l'anniversaire, c'est à partir du samedi 28 mai, donc samedi prochain. Reveal and stuff à partir de 3h du matin en live, ici même sur ma chaîne YouTube. On pourra enfin découvrir tous les personnages qui vont être annoncés pour du moins la première partie de l'anniversaire des 4 ans. Donc voilà, ensuite, demain, logiquement dimanche 22 mai, on devrait recevoir encore 200 cristaux pour le bug qu'il y a eu hier soir où l'on ne pouvait pas se connecter sur le jeu Dragon Ball Legends. Ça a été dit dans les annonces ici, alors voilà, parce qu'ils l'ont balancé hier sur les réseaux sociaux et les gens ce matin, en se connectant, les joueurs voient 150 cristaux alors qu'hier sur les réseaux sociaux, ils avaient dit 200. Non, c'est juste qu'on a 150 cristaux aujourd'hui et demain, on va encore avoir 200. Donc pour le coup, c'est quand même pas mal, on nous donne quelques cristaux, donc on prend, vous voyez ici, objet attribué, cristaux du temps, x200. On va continuer à parler justement des fameux cheaters qui ont été ban, également de tous ceux et toutes celles qui ont fait des demandes de remboursement. Et je vais vous expliquer les démarches à faire si vous avez été ban injustement. Je vais vous donner l'adresse mail, etc. Farmer les âmes Zenkai, comme ça, dès qu'il y a un nouveau Zenkai, vous serez blindé en âme Zenkai. C'est déjà un très bon point. Tu vois, voilà, voilà. Donc ça, ok, hop, je prends. Normalement, j'ai dû débloquer la mission du plan GDP, si je ne dis pas de bêtises, pour récupérer mes cristaux. Voilà, là, hop, le plan GDP, 200 points d'énergie, bim, je prends. Là, je devrais avoir encore 300 cristaux. Je monte à 21 187. On peut faire mieux. Si je termine le tour 1 du pouvoir, je devrais encore récupérer 300 cristaux. Comme ça, en même temps, je vous montre un petit peu hein, ce que je fais pour avoir mes cristaux. Bon, le plan GDP, moi, je l'avais payé à 7,99. Donc là, j'ai eu 300, mais normalement, un free-to-play à 100 cristaux. Plus qu'un seul combat, on va le faire. Hop, on va sur le plus fort, se déplacer. Hop, 300 cristaux. Si jamais on le bat, mais on va le battre. Hop, voilà. Comme ça, je vous montre un petit peu quotidiennement là ce que je fais. Voilà, bim, et là, je récupère 300 cristaux. Félicitations, on est venu à bout du tournoi du pouvoir, comme à chaque saison de ce tournoi du pouvoir. Normalement, j'ai pris les 300 cristaux. C'est bon, on est à 21 487 cristaux. Bon, maintenant, parlons de cette vague de ban, les amis. Déjà, dans un premier temps, on va aller sur mon compte Twitter, parce que c'est sur Twitter, justement, où on a parlé de tout cela. Hop, bim. Donc déjà, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, c'est @SofianeLeGeek, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, vague de ban avec la dernière mise à jour, c'est pas mon compte, on va lire le screen. Données inutilisables en raison d'une violation des conditions d'utilisation. Donc voilà, Bandai Namco disent très clairement, il y a une violation des conditions, le règlement n'a pas été respecté, etc. Moi j'ai tweeté, j'ai dit, juste avant l'anniversaire des 4 ans, hein, une semaine avant, tu te fais ban, si t'avais des cristaux de côté et tout, bah tu chiales. J'ai dit, ça va chialer fort pour les cheaters. Moi clairement, je vais vous le dire, ceux qui trichent en PVP, qui font exprès de laguer les connexions, qui font exprès de te faire déco, qui font exprès de te faire des matchs nuls, qui font exprès au final de te faire rager, tout simplement pour eux ne pas perdre, et on l'a déjà vu, hein, combien de fois on a affronté en live des mecs qui étaient rang god, etc. Je commençais à les taper, bim, déconnexion, tout ça, et puis bah finalement, tu n'as pas de points, ils te font perdre du temps, ou des fois ils te font du lag switch, etc. Ça, pour moi, ça nuit à l'expérience de jeu pour nous, les joueurs,
qui sont safe, tu vois. Donc ça nous embête, on est là, on rage sur un jeu, alors qu'un jeu, on est là pour prendre du plaisir. Je ne comprendrai toujours pas le besoin de cheater en PvP pour avoir des points. Au contraire, essaye de t'améliorer, tu vois. Donc tous ceux qui sont ban parce qu'ils ont cheaté en PvP, je suis désolé. Chat. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, en revanche, ensuite, il y en a, ils ont été ban pour des refunds. Les refunds, c'est quoi? C'est les remboursements. Et j'avais déjà prévenu, j'avais déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs voilà, qui ont commencé le jeu il y a peut-être un an, peut-être la vidéo date d'il y a un an et demi ou deux ans que j'avais faite. Bon, bref, on va y revenir. Enfin, une vague de ban pour les cheaters, voilà. Donc souvent, hein, chaque année, il y a environ deux grosses vagues de ban chaque année. Hein. A priori, la vague de ban, c'est pour ceux qui n'ont pas été ban lors de la précédente vague pour Refund. Bandai Namco, cette entreprise méprisable. Alors, non. On va remettre les choses dans leur contexte. Peut-être que la dernière fois, t'es passé au travers des mailles du filet, mais on vous avait toujours dit, une fois qu'il y a eu un refund, et que derrière, vous n'avez pas, entre guillemets, déclaré auprès de Bandai Namco, mais que vous avez fait une demande de remboursement en ayant utilisé les cristaux, ça, c'est pas bon. C'est comme si vous les aviez volés. Parce que du coup, je vais vous expliquer, en fait, ce qu'il faut faire si jamais vous vous retrouvez en difficulté financière, les amis. Vous faites un achat de cristaux. Très bien, il y a un achat de cristaux et tout. Trois jours après, vous vous rendez compte que « Oh, purée, j'ai une facture qui n'était pas attendue, tout ça, ou vous êtes en galère financièrement et vous avez besoin de récupérer l'argent que vous avez mis dans le jeu mobile. » Ça peut arriver à tout le monde. Il faut contacter Bandai Namco. Et c'est eux qui vont vous faire le remboursement et comme ça, vous gardez votre compte safe. Vous expliquez la situation. Ils vont vous redonner directement votre argent. Il y a beaucoup de personnes, à la suite des vidéos que j'avais pu faire auparavant, qui ont fait cette technique que j'ai montrée, avec l'adresse mail, etc. Je vais vous la remettre, cette adresse mail, dans cette vidéo. Eh bien, ils m'ont remercié, ils m'ont dit « Merci Soso, franchement, au moins, je ne perds pas mon compte, je ne serai pas ban, et j'ai récupéré mon argent. Tu expliques la situation. » Voilà, ça reste des humains derrière qui vont te répondre, ils vont te rembourser, voilà. Bon, après, il ne faut pas que tu le fasses tous les 4 matins, sinon c'est mort. Je crois que c'est une fois ou deux, un truc comme ça. Après, ça y est, ils vont te dire « Non, là, tu abuses. » Et là, après, ils vont vraiment te ban. Ils vont croire que le jeu est nocif pour toi, que c'est devenu une addiction. Et du coup, ils vont te supprimer ton compte et là, tu ne pourras plus rien faire. Donc voilà, c'est vraiment que si vous êtes en galère. On le rappelle, c'est un jeu gacha, d'accord? Un jeu où tu mets de l'argent. Mettez de l'argent que si vous le pouvez. N'oubliez pas que ça reste qu'un simple jeu vidéo. C'est du virtuel, c'est du vent. Voilà, tout simplement. Ensuite, on regarde un petit peu. Tellement la haine, je suis cash player, jamais de cheat, au grand jamais, joueur depuis toujours, jamais à fond bon. Franchement, je vois pas ce que j'ai pu faire et je mange aussi. 31 000 cristaux de perdu avant l'anniversaire et mon compte, merci. Et il a identifié DB Legends Japon. Donc là, voilà, il a eu donné une utilisable en raison d'une violation des conditions d'utilisation. Alors, moi, je peux pas dire comme quoi s'il dit vrai, s'il dit faux, j'en sais rien, peut-être qu'il est honnête, c'est frustrant, je comprends. Maintenant, attention, il y a plusieurs méthodes de se faire ban. Il ne faut pas aller jouer sur un émulateur, d'accord? Jouer sur l'émulateur, c'est mort. Il ne faut pas prendre votre mobile, vous remettez votre compte, donc vous migrez votre compte sur un autre mobile, pour, au final, le remettre sur l'ancien mobile. Parce que là, du coup, ça peut s'apparenter à quelqu'un de meilleur que toi, qui a un meilleur skill en PvP, qui va jouer pour toi, pour te faire gagner des cristaux en PvP, et ensuite, tu le reprends sur ton compte. Ça, c'est non. Tu as le droit de faire migrer ton compte vers un autre téléphone. Hein, tu n'as plus ton téléphone, tu l'as vendu, tu achètes un nouveau téléphone. Moi, c'est ce qui est arrivé. Tu migres, il n'y a aucun problème. En revanche, si tu remets sur l'ancien téléphone, là, c'est pas bon. Si ton téléphone était parti en réparation, envoie un mail à Bandai Namco. Encore une fois, le mail, je vais vous le donner. Tu l'envoies à Bandai Namco et tu expliques, voilà, mon téléphone est en réparation et tout, comme ça, t'es safe. No problème, il n'y aura rien du tout. Donc, émulateur, migration de compte. Ensuite, c'est également en PVP. Si vous ne jouez pas en Wi-Fi, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Si vous jouez en 3G ou en 4G et que le mec, comme par exemple comme moi, qui est en Wi-Fi avec la fibre, la connexion, des fois, elle va pas bien se faire puisqu'il n'y a pas de serveur sur le jeu. Donc, il suffit que tu aies une game qui lag, deux games, trois games, etc. Les gens, à chaque fois, te reportent. Des fois, tu vas te manger un avertissement, une espèce de ban en PvP qui va te faire redescendre au rang 1 niveau PvP. D'accord? Tu vas te dire, je comprends pas. J'ai fini top 3000, top 1000, j'en sais rien. Je me retrouve au rang 1, j'ai pas eu mes récompenses. C'est parce que tu as été report en masse. Si on te reporte à chaque fois à gogo, alors que justement, on te conseille de jouer
en Wi-Fi, c'est dit hein, dans le règlement, faut privilégier la connexion Wi-Fi, et du coup, ça va nuire à l'expérience des autres joueurs. Eh bien, Bandai Namco peuvent prendre la décision, du coup, de te supprimer ton compte. Parce que, derrière, ils se disent que tu vas nuire aux autres joueurs. C'est pas moi qui le dis, les amis, hein. Je peux comprendre la frustration si derrière, tu peux pas jouer en Wi-Fi et tout. Moi, je vous le dis, si je ne suis pas en Wi-Fi, je ne fais jamais de PvP. Je ne fais jamais de PvP si je suis pas en Wi-Fi. Voilà, c'est comme ça. Également, bon, t'as cheaté en PvP ou t'as cheaté en PvE ou quoi, c'est ban. Ceux qui ont essayé d'avoir des cristaux illimités, il y avait l'espèce de cheat mexicain, je sais pas quoi, machin, c'est ban. Et ensuite, demande de remboursement. Donc là, je vais vous expliquer la manière à suivre. On va retourner directement sur le jeu. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo, c'est très important. Partagez-la pour tous les nouveaux joueurs, pour vos proches, pour tous ceux qui ont été ban ou quoi. Je vais vous expliquer la marche à suivre. Vous allez dans menu. Là, on va dans annonce. Donc là, c'est beaucoup plus simple pour moi, plutôt que de vous montrer l'adresse mail à l'arrache. Là, on va vous montrer l'adresse mail sur le site internet de Bandai. D'accord ? Comme ça, au moins, vous pourrez retourner sur le site et au moins remettre cette vidéo. Si, par exemple, dans 6 mois, vous avez un souci, hein, voilà, vous remettrez cette vidéo. Ici, avis de révision. On clique dessus. Et là, dans avis de révision, on a le lien du site de Bandai Namco. On clique dessus, les amis. Et si jamais vous avez été ban injustement, je n'en sais rien, donc là, vous mettez la langue, hein, vous mettez français, ou que vous estimez être safe, eh bien, vous avez une adresse mail. Donc là, voilà, il t'explique tout le règlement. Je vous invite vraiment à le lire. Comme ça, au moins, vous aurez tout. Nous contacter, c'est juste ici. Eh bien, là, vous avez l'adresse mail de Bandai Namco. Attendez, hop, je vais bien vous le mettre. Voilà, ici. C'est dpo@bandainamcoent.eu. Vous expliquez votre situation, d'accord? Et là, après, voilà, une fois que vous expliquez votre situation, j'espère pour vous que vous êtes safe, parce que de toute façon, si jamais vous n'êtes pas safe, c'est impossible, ils ne vous redonneront pas votre compte. Si vous avez joué sur émulateur, si vous avez trop souvent des problèmes de connexion, si vous avez fait un refund ou quoi, c'est mort si vous avez cheaté en PvP. Le refund, les amis, vous avez payé dans le jeu Dragon Ball Legends des cristaux, vous êtes en galère financière, utilisez cette adresse mail, d'accord? Vous expliquez la situation, je me retrouve en galère financière, s'il vous plaît, remboursez-moi et tout. Vous montrez votre preuve d'achat avec le screen, comme quoi vous avez acheté des cristaux. Vous savez, à chaque fois, on vous envoie, que vous soyez sur Google ou iOS, on vous envoie un récap de votre achat de cristaux, ils vont vous rembourser, d'accord? Ils vont vous rembourser. Si vous faites la demande directement via Google ou via iOS, iOS et Google, eux, ils se prennent pas la tête, ils te remboursent directement. Et en plus de ça, tu gardes les cristaux. Bah ça s'apparente à du vol pour Bandai Namco, puisque tu as utilisé, entre guillemets, leur marchandise virtuelle, les cristaux, pour obtenir des personnages, alors que tu as été remboursé. Donc en gros, tu as utilisé des cristaux gratuitement. Et ça, c'est pas bon. Faut que tu passes par cette adresse mail. Voilà, c'est vraiment très, très important, les amis, si vous voulez être safe directement sur votre compte Dragon Ball Legends. Voilà, faire également des petites invocations, comme ça, ça sera fait. Voilà, hop, bim. C'est tout ce que je peux vous dire, moi, clairement. Je comprends la frustration pour certains, mais on vous l'a déjà répété, et des fois je l'ai répété à maintes reprises, ne jouez pas si vous n'êtes pas en Wi-Fi. Ah, ça a bugué. Ça a bugué, super, en pleine vidéo. Voilà, j'ai relancé mon jeu, bon bref, ça peut arriver, surtout que là j'étais parti sur un site internet, je suis revenu, je suis parti sur Twitter, etc. Ça peut arriver qu'ensuite le jeu il plante. Donc voilà, encore une fois, les amis, hein, faites attention derrière à votre compte, surtout si vous mettez de l'argent ou quoi. Ne tentez pas en fait des choses que vous pourriez regretter, d'accord? Tu dépenses de l'argent dans ce jeu, tu peux te faire plaisir parce que c'est un jeu vidéo, voilà, on est là pour s'amuser, mais essayez de maximiser tout simplement votre compte safe, sans faire de bêtises. Encore une fois, ne jouez pas en 3G, 4G, en PvP. PvE, tu peux, tu te connectes et tout, en PvE, tu joues sans aucun souci, il n'y a pas de problème. Mais PvP, oubliez. Voilà, clairement oublié. Sinon, derrière, bah, si vous êtes report en masse ou quoi, on sait jamais, vous pouvez peut-être être ban ou quoi. Donc là, voilà. C'était la vidéo que je voulais vous faire, surtout pour vous partager justement cette adresse mail que je vous ai montrée, pour ensuite, voilà, que vous essayiez d'avoir gain de cause, si jamais vous êtes vraiment safe sur votre compte. Donc voilà les amis, merci pour cette vidéo, max de pouces bleus également, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à me dire si vous avez des proches également à vous qui ont été ban injustement, et demain on se retrouve à partir de 17h en live pour
la découverte de mon nouveau setup, de mon nouveau décor. Préparez-vous, 17h, en live YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications et abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Non, 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 non ! Yeah !